middle distinction. From the distinction. She's all that. She is all that. And so, it is. Most of us in this place, we know. Plusieurs d'entre nous, c'est l'une de story of creation. L'histoire de la création. The Bible tells us that God created all things. La Bible déclare que Dieu a créé toutes choses. And that God created man. Dieu a créé l'homme. But he formed the man first. Il a formé l'homme en premier. So he created the people, man and woman. Il a créé l'homme et la femme. But he formed the man first. Mais l'homme était le premier à être formé. Then the Bible says that God saw that it was not good for man to be alone. Alors la Bible déclare que Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. And he created the woman. Il a créé la femme. So the woman was supposed to fulfill the plan of God. Alors la femme devait accomplir le plan de the Dieu. The perfect will of God. La volonté parfaite de Dieu. She was the one thing that was lacking in the perfect creation of God. Elle était la chose qui manquait dans la création she parfaite had de Dieu. A mission. Elle avait une mission. And she was mandated. Elle avait un mandat. She had a destiny. Elle avait une destinée. She had a task that she had to fulfill. Elle avait une tâche qu'elle devait accomplir. God does not make mistakes. Dieu ne fait pas d'erreur. I remember I have three daughters. J'ai trois enfants. And I remember when I had my third daughter. Je me souviens quand j'ai eu ma troisième fille. My dad called me. Mon père m'a appelé. And he asked me. Il m'a demandé. What did you have? Quel enfant tu as eu? I said, oh, a girl. J'ai dit, oh, une fille. He's like, oh, I'm sorry. Elle a dit, oh, pardon, je suis désolée. And then he's like, oh, well, it's a child as long as he's healthy. C'est un enfant aussi longtemps qu'elle est en santé. He didn't mean it. Il voulait pas me vexer. It's something that's inside of him. C'est quelque chose qui est au-dedans de lui. That's just how in his culture he grew up. C'est comme ça qu'il a grandi dans sa culture. Believing that boys on a élevé, croyant que les hommes more valuable than girls. Ont plus de valeur que les filles. And this is still today in many cultures. Jusqu'aujourd'hui, plusieurs cultures. This is still the case. Dans cette génération même, c'est le cas. There are even countries in the world right now as we speak. Il y a même des pays présentement, même que nous parlons. That girls are being murdered. Que les femmes sont tuées. That a woman gives birth and it's a girl and they kill the child. Si une femme accouche une fille, le bébé doit être tué. Because it's a disgrace. Parce que les femmes, les filles ne valent pas la peine. You need to have boys. Vous devez avoir un garçon, un bébé garçon. They can carry on the posterity or the parce qu'ils peuvent, continuer la lignée de la famille. In China even. En Chine. Because they were limited, they could only have one or two children. If you had a girl, definitely you had to either abort or when the child was born, if they didn't know before, then they would just kill the child. Ils avaient placé des limites que ils devaient simplement avoir deux enfants. Et si c'était une fille, pire encore, on doit tuer cet enfant. In many countries, dans plusieurs pays, girls have no right. Les filles n'ont pas de droit to study. N'ont pas le droit d'étudier. They are not considered as people. Ne sont pas considérées comme des gens. They are considered as possession. Sont considérés comme des possessions. It's something that you have. Quelque chose que tu as. And then as a man, you get to buy cette femme, and you get to own her. Et c'est ta possession. But I want you to understand something. Mais j'aimerais que vous compreniez quelque chose. This is biblical that this is happening. Ce qui se passe est biblique. There is a reason why this is happening. La raison pour laquelle ça se passe. As cruel as it may be. Aussi longtemps ça semble bien. As cruel and as bad it may look in our eyes. C'est cruel comme de la manière dont on peut le voir. This is biblical. Ceci est biblique. This is biblical. C'est quelque chose de biblique. The Bible says that after God created. La Bible dit qu'après que Dieu a créé. The man and the woman. L'homme et la femme. Even if you're not a Christian, you know that Adam or Eve ate from the apple. Même si vous êtes pas chrétien, vous savez que Eve a mangé la pomme. And we say because of that. Et nous avons dit qu'à cause de cela. That created the fall of man. C'est là qui a causé la chute de l'homme. Le péché est entré dans le monde. And something happened. Et quelque chose s'est passé. God cursed them. Dieu les a maudits. And in the curse of God. Et dans de cette malédiction. Because they disobeyed what God had said. Parce qu'ils avaient désobéi ce que Dieu leur avait dit. God declared war. Dieu a créé une guerre between the woman. Between the woman. Une calamité entre l'homme et la femme, pardon, and the snake. Et le serpent. Hallelujah. Amen. Between the seed of the woman dans la semence de la femme and the serpent. Et le serpent. And that's the cause and the reason of all these things. Et c'est ça la cause et la raison de tout ce qui se passe aujourd'hui. But the Bible tells me this. Mais la Bible me dit ceci.
That even when that happened, même quand cela est arrivé, in the book of Revelation, dans le livre d'Apocalypse, and a lot of readers here, and I know we have a doctor in the house. Nous avons as well, l'enseignant de la parole de Dieu dans la maison ici. That when we speak about the book of Revelation, quand on parle du livre de l'Apocalypse, chapter 12, chapitre 12, there is a story in there. Il y a une histoire dedans. And yes. Et oui, the story has to do with Israel. L'histoire a à faire avec Israël. But I want you to see something. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre quelque that chose. That every time, que à chaque fois, in the Word of God, dans la parole de Dieu, something is likened to a woman. Quelque chose est lié à la femme. The devil is behind it. Le diable est toujours derrière. To destroy it. Pour le détruire. To crush it. Pour l'écraser. To eliminate pour it. Pour éliminer cela. There is an ongoing spiritual battle. Il y a un combat sans arrêt. Against femininity. Femininity. How do you say that? Yeah. That one. Amen. There is a constant battle. Il y a un combat continu. And even though some stories have nothing to do with a female, et même s'il y a certaines histoires qui n'ont rien à voir avec the devil is still behind it. Le diable est toujours when derrière. When God sees Israel as his wife, quand Dieu voit Israël comme sa femme, son épouse, the enemy is after Israel to destroy it. Le diable est après Israël pour le détruire. When God sees the church, quand Dieu voit l'église, as his wife, en tant que son and he's going to come and take, et qui va venir acheter, the enemy is behind it to destroy. Le diable est derrière pour le détruire. Why? Pourquoi? Because there's a battle going. Parce qu'il y a un combat continuellement. And you know what? Et vous savez quoi? The worst battle that you can fight in your life. Le plus pire, le pire combat que vous pouvez retrouver dans votre vie. Is the battle when you don't recognize who your enemy is. C'est le combat que vous ne reconnaissez pas là où vous pouvez pas reconnaître when your enemy is around and you have no idea that your enemy is after. Là où votre ennemi est devant vous mais vous savez pas le reconnaître. When you sleep, you eat and you fellowship with your enemy but you have no idea that they are your enemy. Là où vous dormez, vous êtes à côté de votre ennemi donc vous êtes pas capable de le reconnaître. The worst thing that can happen to a woman, la pire de chose qui peut arriver à une femme, to not be aware, ce n'est pas être capable de reconnaître que le combat, that the battle that you are fighting, que le combat que vous combattez, the struggle that you are going through, les difficultés que vous traversez, is because of an enmity or because of a war that was declared since the beginning of creation. Qui a été déclaré depuis le début de la création. It is not in vain that all these things are happening. Ce n'est pas en vain que toutes ces choses se passent. And it's not by mistake. Ce n'est pas par erreur. And it's not a surprise. Ce n'est pas une surprise. Because the best thing that your enemy can do to you. Parce que la meilleure chose que l'ennemi peut vous faire. There are two things. Il y a deux choses. It's either he overpowers you or you overpower him. C'est ou soit vous êtes au-dessus de lui ou il sera au-dessus de vous. It is either you take authority over him or he takes authority over you. C'est ou soit que vous prenez autorité sur lui ou il prendra autorité sur vous. There is no free zone. Il n'y a pas de zone libre. It's like, oh, I don't have anything against him. And c'est comme, non, je n'ai rien contre lui, c'est une zone libre. It is either you are conscious. C'est ou soit vous êtes conscient. And you take your position. Et vous prenez votre and position. And you take your place. Vous prenez votre place. Or he, ou bien lui, he will be overpowering. Il va être au-dessus de vous. I want us to understand that the battle that we fight is very much bigger. J'aimerais que nous comprenions que le combat que nous faisons face est quelque chose de sérieux. The battle that we fight is very much real. Il est sérieux. And there, even though God declared war between these two entities, et même si Dieu a déclaré une guerre entre l'homme, entre la femme et le serpent, there is one that God has given more power. Il y a une partie que Dieu a donné plus de puissance. The Bible says, la Bible déclare, that God said to the serpent, que Dieu a dit au serpent, you will bite her heel, que tu vas mordre son talon, but she will crush your head, mais elle écrasera ta tête. You will bite her heel, tu vas mordre son talon, but she will crush your head, mais elle écrasera ta tête. Yes, women, it's hard to be a woman. Oui, c'est difficile pour être une femme. There is a lot of things il that come out. Il y a plusieurs choses qui viennent avec. With our emotions, with our feelings, the way we are created. De la façon dont nous sommes créés. But that's just the biting of the heel. Mais ça c'est tout simplement la morsure. Some of you in this place. Il y a certains d'entre vous en ces lieux. Are single mothers. Vous êtes des femmes seules. Something happened. Il y a quelque chose qui s'est arrivé. Maybe you were married and then you divorced. Peut-être que vous étiez mariée ou vous êtes divorcée. Maybe you made a mistake. Peut-être que vous avez commis une erreur. But you are the one who is carrying the cross. Mais vous êtes celle-là qui porte la croix. You are a single mother. Vous êtes une femme seule. And you don't see it anymore. Et vous ne voyez plus. You don't know how to deal with. Vous ne savez pas comment gérer les situations. Some of you in this place. Certains d'entre vous en ces lieux. You have been raped. Vous avez été violé. Some of you even multiple times. Peut-être plusieurs fois. You have gone through hard things. Vous avez traversé des choses difficiles dans vos vies.
I want to tell you that it's the biting of the heel. Je vais vous dire que c'est la morsure du talon. It is not okay. Ce n'est pas bien. But you're gonna be alright. Mais vous allez ça va aller. It is not okay. Ce n'est pas bien. But you're gonna be alright. Mais ça va aller. Because the promise says. Parce que la promesse. That even though he bites your heel, you can crush his head. You can crush his head. You can crush his head. But you cannot crush the head of a serpent by mistake. Mais vous pouvez pas écraser la tête du serpent par erreur. You cannot crush the head of a serpent by mistake. Vous pouvez pas écraser la tête du serpent par erreur. Because a snake is so cunning. Parce que le serpent est très rusé. And they are very vigilant. Et ils sont très prudents. They smell you even before you can see. Ils peuvent te sentir. So that means you have to be conscious. Alors ça veut dire que vous devez être conscient de votre mission. And you have to be conscious of what you're going to do. De ce que vous allez faire. So the serpent can bite you here. Le serpent peut mordre votre bras. He can bite you by catch you by surprise. Prendre par surprise. But you have to be conscious. Mais vous devez être conscient. So what it is that you are doing. De ce que vous faites. You have to be conscious of the battle that you are fighting. Du combat que vous faites face. Your battle is not against a man. Votre combat n'est pas contre un homme. Your battle is not against a male section, your male part. Votre combat n'est pas contre le masculin. There is a spirit. Mais il y a un esprit. There is a spirit. Il y a un esprit. That is after you. Qui est après vous. That is after you. Qui est après vous. There is a spirit. Il y a un esprit. Not just after you just to weaken you, but it's after you to destroy. Pas simplement derrière vous pour vous affaiblir, mais pour vous détruire. But that is impossible. Mais cela est impossible. Because the word says. Parce que la parole de Dieu dit. That you will crush you. Vous allez écraser sa tête. The Bible says that the serpent. La Bible déclare que le serpent. He was the one who was persecuting the woman. Il est celui qui est en train de persécuter la femme. And still persecutes the woman. Et continue à la persécuter. And that's why we see all the things that we see. C'est pourquoi que nous voyons tout ce que nous voyons. That even in the body of Christ. Que même dans le corps du Christ. When a woman preaches, women cannot preach. Lorsqu'une femme prêche, elle peut pas prêcher. Woman does this, woman should not be doing. Quand la femme fait ceci, non, elle ne peut pas faire cela. A woman takes authority, she's a spirit of Jezebel. She cannot possibly be in the place that God has called her to be. Because the serpent is strong. It is amazing that 80% of the most churches are women. C'est étonnant que 80% des églises sont des femmes. But yet there is only a few women ministers. Mais il y a peu des femmes qui servent. It is amazing to me. C'est, ça m'étonne. How are we the majority of the church. Comment se fait-il qu'on est la majorité de l'église? But we are the minority in the ministry. Nous sommes la minorité dans le ministère. Because the enemy knows. Parce que l'ennemi sait. Against whom the war was declared. Because the enemy knows. Parce que l'ennemi sait. The day that you will understand who you are. Que vous allez comprendre qui vous êtes. The day that you understand the power that is inside of you. My God. Am I speaking to somebody in this place? The enemy knows. L'ennemi sait. That's why you feel the way you feel. C'est pourquoi vous vous sentez comme that's vous why sentez. You say, this time I'm going to give my life c'est to the Lord and I'm going to go. Je vais donner ma vie au Seigneur et and then you come to the church et vous venez à l'église, and then someone gives you a look et quelque chose vous and then you are discouraged. Et vous êtes découragé. Someone bumps against you and then you are discouraged. Quelqu'un vous bouscule, vous êtes découragé. Little things discourage ces women. Petites choses découragent les femmes. And the enemy is laughing. Et le diable est en train de rire. This is who I have to fight against. C'est, je dois me combattre contre celle-ci. This is how the enemy looks at you. C'est comme ça que le diable vous regarde. But when God looks at you, mais quand Dieu vous regarde, he says, she il is all elle that. Est tout. So she is all that. Elle est tout cela. And more. Et plus encore. But the only thing is, mais la seule chose, she needs to understand. Elle doit comprendre ce. She needs to know who all that, what all that is. Qu'est-ce qu'elle a en elle? I have given her the power. Je lui ai donné la puissance. One day I was saying that and someone said, Mama, no. Un jour, quelqu'un m'a dit, Maman, non. That's not what the Bible says. Ce n'est pas ce que la Bible dit. I have many teacher daughters and sons. J'ai beaucoup de like, filles et des Mom, enfants qui sont des enseignants de la parole. Said that the woman will crush the head. The Bible said that her seed will crush the head. La personne m'a corrigé, a dit maman, la Bible ne dit pas que c'est la femme qui va écraser la tête du serpent, mais c'est sa semence. I was like, oh, praise the Lord. Praise the Lord. That is good. C'est vrai. That means that I carry something inside of me. Que quelque chose. The seed that is inside of me. Bon the gift that I have inside of me. The everything that I carry inside of me. Don't crush the head of the serpent. Just let me tell you something. That if I carry a seed, I can crush something. It's the most meaning I have more power. Ça veut dire que j'ai plus de puissance. Votre semence. Et nous savons,
doctors, I know, the seed les enseignants de la parole, la semence est Jésus-Christ. But let's not go that deep. Mais nous n'allons pas aller aussi profond. Your seed, votre semence, is your talent. C'est votre talent. Your seed, votre semence, is your ability to do. Et cette habilité de faire. Your seed, votre semence, is what you have inside of. C'est ce que vous avez au-dedans. That you are afraid, que vous avez peur to demonstrate to le démontrer au monde. That's why she's all that is not just a conference. C'est pourquoi que she's all that n'est she's pas all that is what we show you women. She's all that, c'est ce que nous montrons aux femmes. They have a seed, qui ont une semence, that can crush the head of the serpent. That they have a seed, and they can break forth into this world and crush the head of the serpent. You need to bring forth that seed. Vous devez ressortir cette semence. That's why the enemy fights us. C'est pourquoi que le diable nous brings all kinds of things. Avec plusieurs choses. Two people fall into sin, but the woman is a prostitute. What is the man? Deux personnes qui tombent dans un péché, mais la femme on la traite d'une prostituée. Où est l'homme dans tout cela? They were going to stone the woman that committed the act of adultery, but you cannot commit the act of adultery by yourself. On a l'air de dire la femme qui a commis l'acte de l'adultère. Où est l'homme dans tout cela? Where was the man? Où était l'homme? Because the battle is not against. Parce que le combat n'est pas contre l'homme. It is not the man's fault. Ce n'est pas la faute de l'homme. It is you are fighting an enemy. C'est que tu combats un ennemi. You are fighting an enemy. Tu combats un ennemi. That's why Jesus Christ looked in the situation. Jésus a regardé la situation. And he said. Et il a dit. Oh, the one that has not committed a sin. S'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a pas commis le péché, let him stone. Qui jette la première pierre. The first one. La première pierre. I come to tell a woman. Je viens dire à une femme. It's not okay what you did. Ce n'est pas bien ce que vous avez fait. But God is a God of another chance. Mais Dieu est un Dieu d'une seconde chance. God is a God of another chance. Dieu est le Dieu. It is not okay what you did. Ce n'est pas bien ce que vous avez fait. But God is the God of another chance. Mais Dieu peut vous accorder une autre chance. The enemy wants to keep you down. L'ennemi veut vous garder en bas. But God wants to lift you up. Mais Dieu veut vous élever. It is not over until God says that it's over. Ce n'est pas encore terminé jusqu'à ce que Dieu va dire que c'est fini. The seed of the woman. La semence de la femme. I'm about to start my message. Je vais commencer mon message maintenant. I was just encouraging somebody. J'étais juste en train d'encourager quelqu'un. This is cool. It's not supposed to be a little bit one. Praise the Lord. Hallelujah. What am I going to do first? This here. Ceci. C'est un mélange. Of, how do you call it? Yeast, levure. In the Bible, also called leaven. Levure, levain. This is just flour. Ça c'est de la farine. I'm going to do something. Je vais faire quelque chose. So I'm gonna take the little bit of yeast. Alors je vais prendre le peu de levain. These two are equal size of flours. C'est le même montant de farine dans ces deux bols. Et ceci aussi est le même montant same de levure. Même montant d'eau. Moi, Bella, am I doing this well? Okay. She's Bella's design. She bakes, I don't. Yes. This is water. Ça, c'est de l'eau. Cooking show. Okay. Just a moment. Because I make for food every day. Sometimes. Wait then. Like that? Like that. One of us is gonna have something because I'm gonna have to cover this. Yes. A towel. Le même montant d'eau. I didn't forget the yeast. I didn't put the yeast. Je n'ai pas encore mis le levure, suivez bien.
get the point. Right? Praise the Lord. Prophet, this thing, should I start a cooking show? What do you think? I think you're good. So when you have your talk show, you invite me after the break. Everybody heard, everybody's my witness. In here we have yeast. Et ici on a le levure. Send me my water, you can cover them. In here we have no yeast. Et ici on n'a pas de levure. We have yeast, but we have it on the side. Nous avons la levure, mais il est à côté. C'est à côté. This is no trick. It's not a trick. And it's not a miracle either. Science. Ce n'est que de la science. Look how it becomes big. The power of God is in there. You see how it's going to rise. No, it's just science. C'est juste de la science. And the Bible speaks about this. Et la Bible parle de cela. Matthew chapter 13. Matthieu chapitre 13. I just want to make sure that you all see that they're the same level, right? There's like lines here. Je voudrais que vous puissiez voir si c'est the first line, second line, third line, the fourth line, first, second, third, fourth line. So they're all equal, right? Matthew chapter 13, verse 33. Matthieu chapitre 13, verset 33. 33. And the Bible says this. He told them another parable. The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed with 3 measures of flour until all the dough had risen. The word of God, and it stops there. See, I should have done this before. Now I can preach. I should have risen first. You may be seated. Matthew chapter 13, verse 33. Matthieu chapitre 13, verset 33. He told them another parable. Il leur dit cette autre parabole. The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed with 3 measures of flour until all the dough had risen. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Amen. Amen. And I know for the most Bible readers, et je sais pour ceux-là qui lisent la Bible, oftentimes when the Bible spoke about leaven, plusieurs fois lorsque la Bible parle du levain, the Bible spoke about sin, la Bible parle du péché, or things that don't belong, ou des choses qui n'appartiennent pas. Superficial things. Des choses qui sont superficielles. But this is one of the times. Mais ça c'est une des fois. That Jesus gives a parable. Que Jésus donne une parabole. About leaven. Du levain. But in a different way. Mais d'une façon très différente. And if you read before in the whole chapter of Matthew chapter 13. Et si vous lisez le livre de Matthieu chapitre 13. You'll see that Jesus gave other parables as well. Vous allez voir que Jésus a donné d'autres paraboles. If you go down. Si vous allez un peu plus you'll see that bas, Jesus explained those parables. Vous allez voir que Jésus a expliqué ces paraboles. Except for this one. À part celui-là. He just gave the parable. Il a simplement donné le parabole. But this parable was not explained. Mais ce parabole n'était pas expliqué. As to what it really meant. Pour que on puisse savoir ça, qu'est-ce que ça voulait réellement dire. Hallelujah. Amen. He told them another parable. Il leur a donné un autre parabole. So meaning that it was the other parables that he told them already. Ça veut dire qu'il y avait d'autres paraboles qu'il les avait déjà. The kingdom of heaven. Que le royaume des cieux. Is like yeast that a woman took and mixed with 3 measures. Est semblable à du levain qu'une femme. Of flour until all the dough had risen. A pris et mesuré dans 3 mesures jusqu'à ce que le levain se lève. The kingdom of heaven. La pâte s'est levée, le royaume the kingdom des cieux. Of heaven. Le royaume des cieux. So Jesus, we know that he came from heaven. Alors nous savons que Jésus vient. And he came to introduce the kingdom of heaven. Il est venu introduire le royaume des cieux. Unto the people. Aux gens. Because he said. Parce qu'il a dit. If I speak to you plainly. Si je vous parle. You will never understand. Simplement, vous n'allez pas because comprendre. The things of heaven. Parce que les choses des dans you cannot cieux. Comprehend it with your mind. Vous ne pouvez pas comprendre avec because votre pensée. The, its ways and its things. Parce que sa façon, parce que sa manière. Are not in your ways or the way you do things. Les choses des cieux, les choses d'en haut ne sont pas so comme Jesus vous le faites. Said. Alors Jésus a dit. This is the reason why I have to speak to you in parables. C'est la raison pour laquelle je
This is the reason I had to give you examples of things that are known to you. C'est la raison pour laquelle je dois vous le présenter de la manière dont vous connaissez les choses. So that you can have a little bit of understanding of what the kingdom of heaven is. De quoi il s'agit. So oftentimes, alors plusieurs fois, when Jesus will speak to his disciples, quand Jésus parlait à ses disciples, most of the time when he will speak even to other people, plusieurs fois quand il parlait même à d'autres personnes, he will speak in parables. Il leur parlait en parabole. So that the people could have a picture. Pour que les gens aient une image. Hallelujah. Amen. So that the people could have a picture and kind of understand what he was talking about. De ce qu'il parlait. So he says it's like. Alors il a dit c'est semblable. It is not. Ce n'est pas. But it's like. Mais c'est semblable. A woman, une femme, that took, qui a pris leaven, du levain, and mixed it, et qui l'a mélangé, with flour, avec la farine, until all the dough had risen, jusqu'à ce que la pâte s'est levée. She took leaven, elle a pris du levain, she mixed it with flour, elle a mélangé avec de la farine. And that's why we are doing this, because I don't want to just tell you things that you say maybe it's not true. That's why I'm doing this. I want to see if this is really going to happen. C'est pourquoi je voudrais que vous puissiez le démontrer. You know, some of you bake, you know that, some people don't. So you don't know if it's going to rise or not. So I want us to see it. I'm not sure if what this word is saying it even makes sense, but we need to see it. That's why there is one that has leaven inside. C'est pour ça qu'il y a une farine qui a du levain. And the other has no leaven. Et l'autre n'en a pas. But they were the same size. Mais c'était la même mesure. The word of God said that everybody's all that. Even in the world, they're all that. La femme de Dieu a dit que tout le monde est pareil. Toutes les femmes sont pareilles. Toutes les femmes peuvent tout faire. But what makes us different? Mais qu'est-ce qui nous rend différentes? It's the more. C'est le plus. It's the more. C'est le plus. We all have the same measure. Nous avons tous la même mesure. Same. Measure of grace. La même mesure de grâce. We have all the same. Nous avons tous la même abilities. Les mêmes habiletés. But what makes us more? Mais qu'est-ce qui fait de nous plus? What makes us more? Qu'est-ce qui fait ce plus? What makes that more? Qu'est-ce qui fait ce plus? A little bit of leaven. Un peu de levain. A little bit of heaven. Un peu de ciel. A little bit of leaven. Un peu de levain. A little bit of heaven. Un peu de ciel. A little bit of leaven. Un peu de levain. A little bit of heaven. Un peu de ciel. A little bit of leaven. Un peu de levain. A little bit of heaven. Un peu du ciel. Did I say a little bit of leaven? Est-ce que j'ai dit un peu de levain? Did I say a little bit of heaven? Ou bien un peu de ciel. A little bit of seed. Un peu de quelque chose. A little bit of heaven. Un peu de ciel. A little bit of something. Un peu de quelque chose. You can have the heaven. Vous pouvez avoir le ciel. You can have the leaven. Vous pouvez avoir le levain. But if you never mix it, mais si vous le mélangez pas, you will always have the dough. Vous allez simplement avoir une pâte. At the same size, always. De la même mesure. I promise you. Je vous promets. This is gonna stay like this. Ça restera comme ça. Even in all eternity, même dans l'éternité, it will even go down. Ça va même rétrécir. It will become dry. Ça va sécher. And I promise you, this will stay like that. Et je vous promets que le levain restera de la même façon. Even though it carries power, même si ça a la puissance. Even though it carries ability, même si ça a l'habilité, even though it carries authority, même si ça a l'autorité. Am I speaking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? Even though it has potential, si ça a le potentiel. But as long as I have this in this cup and I have it, aussi longtemps que ça reste dans le gobelet, ça reste and là. And I have this in this bowl and I have it, et qui est dans le bol et que ça reste là. Nothing will change. Il n'y a rien qui va se passer. Nothing will change. Rien se passera. But the Bible says, mais la Bible dit, the kingdom of heaven, que le royaume des cieux, is like a woman, est comme une femme, that took leaven, qui a pris le levain. And yes, she had leaven. Elle avait le levain. But she didn't leave the leaven alone. Elle a pas laissé le levain. She took the leaven. Elle a pris le levain. And it's still working. Patience. Patience is the fruit of the spirit. C'est le fruit de l'esprit. That's why it had to be a woman that took the leaven and put it in. C'est pourquoi ça devait être une femme qui a pris le levain pour le mettre dans la pâte. Come on now, Holy Ghost. You know why? Vous savez pourquoi? My husband is very sweet. He's a very good cook, but I rather not eat his chicken. Mon mari ne fait pas bien, mais je ne voudrais pas les manger son poulet. Parce que quand le poulet n'est pas bien préparé, you know, I mean,
beef not cooked, it's just medium rare. Si un, well, si il y a le bœuf qui n'est pas bien préparé, c'est correct, on peut manger. But when it's pork or chicken, mais quand c'est le poulet ou le porc, I'll make it. Je vais le faire. Really patient with that. Vous devez avoir la patience pour ça. That's why it has to be a woman. C'est pourquoi ça devait être une femme. Because a woman can mix. Parce qu'une femme peut mélanger. Leaven with flour. Le levain avec la farine. And just wait. Et attendre. Et attendre. A woman can take in seed. La femme peut prendre une semence. For 9 months, just wait. Pour 9 mois, et attendre. Just wait. Juste attendre. Just wait. Attendre. Just wait. Attendre. Just wait. Attendre. So a little bit of leaven. Un peu de levain. And she mixed it. Elle a mélangé. A little bit of leaven. Un peu de levain. This. Ceci. Is your more. C'est votre plus. Everybody has this. Tout le monde a ça. At this level we are all equal. Dans ce niveau nous sommes tous égales. We are all the same. Nous sommes la même. There's nothing to be envied about you. Il n'y a rien à envier l'autre. Il n'y a aucune raison d'envier votre mère. You work school. Que tu vas à l'école. You work 4 jobs. Que tu as 4 travail, emploi. My daughters know I woke up at 3 a.m. Moi je me réveille à 3h du matin pour commencer à travailler. And on my days sometimes I only sleep 2 hours. Et parfois je ne dors que 2 heures. But nothing extraordinary. Il n'y a rien d'extraordinaire à propos de ça. Many other women do it as well. Plusieurs autres femmes le font aussi. But you know what I did? Mais vous savez ce que j'ai fait? Even though I do all that they do as well. Même si je fais tout ce que ces femmes font. I understood that I also have leaven. J'ai compris que j'ai aussi un levain. We are all that. Nous sommes tous. Difference. Il n'y a pas de différence. You're single women with 4 children. There's some single women with 6 children. Vous êtes une femme célibataire avec 4 enfants. Il y en a d'autres qui ont 6 enfants. There's, you have 6, but there's some with 2. But they look at you like, how do you do that? I only have 2. Vous avez 6, il y en a d'autres qui en ont 2 et qui se disent, comment est-ce que vous faites ça? Je n'ai que 2 enfants. The thing is, you took your leaven. C'est que vous avez pris votre levain. And you added to the all that. Vous avez rajouté ça dans all that. And it rises. Et ça se lève. It's rising. Ça lève. It's rising. Ça monte, la pâte elle monte. Power. Ça devient puissant. But sometimes it's not even unbelievers. Et parfois ce n'est même pas les païens. Because the unbelievers, they just have that, they don't even have this. Parce que les païens n'ont que la pâte, n'ont pas le levain. But sometimes you are in the church, you have it. Mais parfois vous êtes à l'église, vous les chrétiens, vous avez votre levain. It's there. C'est là. But you don't want to mix it. Mais vous ne voulez pas le mélanger. Or you want to mix it in this way. Ou bien vous voulez le mélanger de cette façon, de l'inverse. Okay, some people said no, don't do that. Il y a des gens qui font la pâtisserie, disent que non, tu ne peux pas faire ça. Can I do that, Marbella? Good idea, ma. This is the better idea. To take the power, to take the anointing. La meilleure idée, c'est de prendre la puissance, l'onction. I bring it to my... Et le déverser sur la pâte. I bring it to my workplace. De le déverser, de l'amener à votre travail. Bring it to my school. De l'amener d'abord dans votre école. Bring it to my neighbors. De l'amener chez mon voisin. Bring it to the hall that everybody else has. De l'amener dans partout. Okay, you know what I'm saying. Vous ne comprenez pas ce que je dis. We are called to influence. Nous sommes appelés à influencer. We are called to impart. Nous sommes appelés. But as long as you think and you believe. Mais aussi longtemps que vous croyez, que vous pensez. That your Christian life, your powerful life, your anointed life. Votre vie d'onction, votre vie de chrétienté. Separate from your regular life. Séparé de votre plain life. Your plain life will remain plain. Votre simple vie, votre vie simple. You will continue to work 20 hours shifts every single day. And at the end of the month, you still can pay your bills. You will continue to work overtime. Vous allez continuer à faire all the time. Overtime. You work overtime. Vous allez faire de l'overtime. All the time. Overtime. But still you won't have enough. Vous n'allez pas avoir. But if you can take si vous pouvez this prendre life, cette vie, the anointed life, l'onction, the shandalabaka, when you are just a Christian in the church. Because it's separate. Parce que c'est séparé. Oh Jesus. When it's separate. Quand c'est séparé. It will always remain like that. Ça va rester comme ça. Votre vie chrétienne. Va rester dans le même niveau. Your regular life. Votre vie normale. Will stay the same level. Restera
au même niveau. The Bible says the kingdom of God. Mais la Bible dit que le royaume des hommes, le royaume des cieux, qui a pris et did not influence a Christian life with a regular life. Qui n'a pas influencé simplement sa vie chrétienne avec une vie régulière. Non, pas simplement. She didn't do that. Elle n'a pas fait cela, pardon. She didn't take her regular life. Elle n'a pas pris sa vie de tous les jours. Like, I only live one life. How can I have two lives? Je ne comprends pas pourquoi que les gens ne savent pas. La vie de chrétien est la vie de tous les jours. C'est ou soit tu es chrétien ou bien tu es chrétien. Il n'y a pas de vie. Alright? Amen. Some people want to take. Il y a des gens qui veulent séparer, veulent prendre leur vie régulière and influence a Christian et influencer la vie chrétienne. You cannot. Vous ne pouvez pas influence heaven. Influencer le ciel. I'm sorry, leaven. Pardon, le levain. But it is heaven. Mais c'est le ciel. Leaven. Le levain. And influences. Qui influence. The flower. The flower. The flower. The flower. La farine, la pâte. You can't do that. Vous ne pouvez pas faire cela. But this, mais ceci, is what is supposed to influence. C'est ça qui est supposé influencer la pâte. And when you do it the right way, et lorsque vous le faites de la bonne façon, when you do it the right way, lorsque vous le faites de la bonne façon, you become all that. Vous devenez tout cela. And more, et plus. And more, et plus. That's why you see, we can be doing the same job. There was a time I was working with one of my learners. C'est il y a un temps que je travaillais avec une de mes filles. So, mom, how do you do that? Elle me demandait, maman, comment tu fais ça? I'm single. Je suis célibataire. We are working all the time together. On est au travail ensemble. You have two. I have two kids at the time. Et maman, dans ce temps-là, elle avait deux enfants. You have two children. Elle a dit, tu as deux enfants. But you have time to do all that. Mais tu as le temps de faire tout ça. C'est parce que je ne sépare pas les deux choses. Je ne sépare pas les deux. It's one life. C'est une seule vie. And the grace that I have received from God. Et la grâce que j'ai reçue de Dieu. I pour it into my natural je life. Je la déverse dans ma vie naturelle. And my natural life cannot be et ma vie naturelle ne peut pas rester au même niveau. It cannot have the same power. Ça ne peut pas avoir la même puissance. It is different. C'est différent. It is supernatural. C'est surnaturel. And it becomes supernatural. Ça devient surnaturel. It becomes a different volume. Ça devient. It rises because it needs to rise. There is no resurrection without this. Il n'y a pas de résurrection sans ceci. There is no resurrection without this. Il n'y a pas de résurrection sans ceci. The Bible says the same power that resurrected Christ. La Bible déclare que la même puissance qui a résurrecté Christ est en vous. C'est la même puissance qui est en vous. So why is your financial life dead? Pourquoi est-ce que votre vie financière est mort? Why is your business not going forward? Pourquoi est-ce que vos entreprises n'avancent pas? It makes no sense. Ça fait pas de sens. It makes no sense. Ça fait pas de sens. The same spirit lives in me. C'est le même esprit qui vit en moi. That lives in Jesus Christ. C'est le même esprit qui vit en Jésus Christ. Why is there nothing happening? Pourquoi est-ce qu'il y a rien qui se passe dans ma vie? Why am I still going through the same struggle? Pourquoi est-ce que je traverse les mêmes difficultés? Because you do have it. Parce que vous l'avez. But you separate. Mais vous les séparez. You separate. Vous séparez les deux. You have to let your Christianity, your spirit of life, que votre chrétienté, the spirit that is inside of you, qui est en vous, influence your business, influence vos entreprises, elect boutique, elect boutique. You have to let the spirit that is inside of you, l'esprit de Dieu qui est en vous, influence your business. Influence ton don't let your business influence your spirit. Ne laisse pas que ton business don't let your shop influence your business, your spirit. The Bible says, seek ye first the kingdom of God. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume de Dieu. And the rest you don't have to seek. The Bible says, the rest shall be what? Cherchez le reste, parce que rajoutez. Add it. Rajoutez. That doesn't mean that we only can have to be in the church all the time. But the Bible says, when you seek the kingdom of God, the rest God will do what? He will add it on to you. Ça ne veut pas dire que vous devez simplement rester à l'église, mais vous cherchez le royaume de Dieu. Le reste, Dieu va rajouter. That means we need to have it. Ça veut dire que nous devons l'avoir. That means that we should have it. Nous devons l'avoir. So it is not right when we don't possess that position. Alors ce n'est pas bien lorsque nous sommes pas positionnés dans la position. That means we are leaving something out. Ça veut dire que nous sommes en train de laisser quelque chose. How is it that your glory is still the same? I'm not 25 years of being born again. Est la même chose après 20 ans d'être né de nouveau. How is it? Comment se fait-il? And your leaven is the same. Que votre levain. As your colleagues at work. Comme vos collègues au travail. That's why your word has no effect. C'est pourquoi que vos paroles n'ont pas d'effet. They look at your bowl. Ils vont regarder à votre balle. Ils regardent à votre balle. They are equal. Ils se disent, what do you have to give to me? Qu'est-ce que vous avez à leur
Mais comme j'ai dit, la patience. Pour certains d'entre vous, vous l'avez déjà mélangé. Ce n'est pas de la magie, vous savez. La créativité n'est pas la magie. La Bible dit que la patience est le fruit de l'esprit. Aussi longtemps que je sais que je mélangeais cela, j'attendrai pour ça. Et je veux m'y attendre. As long as I know I have mixed it. Aussi longtemps que je sais que j'ai fait le mélange. For some of you, your blessing is at your workplace. Certains d'entre vous, votre bénédiction est dans votre lieu de travail. But you want to be ordained as a prophet. Mais vous voulez être homme, vous voulez avoir le titre d'une prophétesse. Your anointing is at your workplace. Votre onction est dans votre travail, lieu de travail. All the disciples that Jesus called were busy doing something. What are you doing? Tous les disciples que Jésus appelait étaient occupés à faire quelque chose. Que faites-vous? Some of you are more pleased at your workplace. Certains d'entre vous, votre onction se repose à votre lieu de travail. Joseph was elevated at his workplace. Joseph était élevé à son lieu de travail. Because he had mixed. Parce qu'il avait mélangé with his dough. Son levain ainsi que with sa his pâte. Flour. Il avait mélangé sa pâte et son levain et sa pâte. To the point that they recognized him to be more excellent. Jusqu'au point qu'on l'a reconnu d'être un homme excellent. Than all others. Que d'autres hommes. Because he had mixed. Parce qu'il avait fait le mélange. Something about this young man. Il y avait quelque chose à propos de cet homme. Something about him. Quelque chose à propos de cet homme. The way he works. La façon qu'il travaille. This young woman. Oh, cette jeune There's femme. Something about him. Il y a quelque chose en elle. They don't see it rising yet. Ils ne voient pas cette chose se lever encore. But they know that there's something about you. Mais ils reconnaissent qu'il y a quelque chose à propos Because de Because your Christian life is not hidden Parce at your workplace. Parce que votre vie de chrétienté n'est pas cachée. Your Christian life is not hidden in your school. Votre vie de chrétienté n'est pas cachée. But it is there. To be manifested so that God can get all the glory. Pour que Dieu reçoive la gloire. You need to mix it. Vous devez le mélanger. We need to mix it. Nous devons le mélanger. You need to add the more. Vous devez rajouter le plus. You need to add it into your flour. Vous devez le rajouter dans votre pain. Because otherwise you will always be regular. Parce que autrement vous allez simplement rester régulier. The more is what gives you revelation. Le plus c'est ce qui vous donne la révélation. That gives you understanding. Qui vous donne la compréhension. When a boss does something that it is unfair to you. Quand votre boss fait quelque chose qui est injuste. The more is what makes you patient. Le plus c'est ça qui vous rend patiente. You look at you like this is an attack. Vous regardez à cette personne, vous dites non, ça c'est un attaque. You go home and you start interceding. Vous allez à la maison et vous allez intercéder. You go home and you start commanding them unto the Lord. Vous allez à la maison, vous les recommandez entre les mains de Dieu. The more, le plus, makes you like that little girl. Vous fait devenir comme cette petite fille. The Bible says. La Bible dit. That there was a commander. Qui avait un commandant. He was called Naaman. Un chef qui s'appelait Naaman. But he was a leper. Mais il était lépreux. But there was a little girl. Mais il y avait une petite fille. Had the more. Qui avait le plus. He was a commander. Il était She was a little girl. Elle était une petite fille. He was the boss. Il était le boss. She was a slave. Elle était une But even though she was a slave. Même si elle était she une had esclave, the more. Elle avait le plus. She had the more. Elle avait le plus. She had the more. Elle avait le plus. You have the more. Vous avez le plus. You have the more. Vous avez le plus. Your workplace is the place of your mission. Votre lieu de travail est votre Your business is, your, is the place of your mission. Votre entreprise, c'est là où est votre mission. The dream. The dream. Your makeup do it. Votre is the wording is the place of your mission. Ce que tu fais, c'est la place de ta mission. Hallelujah. Amen. Don't be intimidated. Ne sois pas intimidé. But intimidate. Mais intimide. Don't be intimidated. Ne sois pas intimidé. They have a known name. Tu n'as pas de nom. They have a name. They have a known name. Known name. Oh Lord. Ils peuvent avoir des titres, un nom qui est reconnu. You have no name like the one who got said yesterday. Et toi tu as un known name. Like no frills, no name. You have a known name. They may have millions. Peut-être qu'ils ont des millions. But you have the yeast. Mais toi tu as le levain. You have the leaven. Toi tu as le levain. But you have heaven. Toi tu as le levain. You have heaven. Toi tu as le ciel. You have heaven. Toi tu as le ciel. Your boss says. Your boss says. Young girl. Boss dit. Young woman. Jeune femme. Jeune homme. If you sleep with me, I'll make you the second in command. Si tu couches avec moi, je vais te faire devenir la seconde. You have to stay like Joseph. Tu dois dire comme Joseph. You may have the power. Tu peux avoir la But I have your authority. Because you have the authority. It's greater than power. Authority is greater than power. Authority. No, you can't. Authority.
capacité is greater than power. Est plus grand que la puissance. You may be big in size. Tu peux être grand en tant que boxeur. Tu peux être un boxeur. World champion. Un champion du monde. And I am a tiny little woman. Et moi je suis une petite fille. But if I carry a police badge, mais si je porte une badge, and I tell you pull over, police, je te dis arrête. Baby, you gotta pull over. Oh yes, you gotta. Baby, you gotta pull over. Tu vas t'arrêter. No matter how strong you are, no matter how powerful you are, but I have the authority. Moi j'ai le pouvoir. Authority is greater than power. Don't seek power. But see authority. Il a donné la puissance à l'homme. But he has given us authority. Il nous a donné l'autorité. Nous avons l'autorité. C'est pourquoi Dieu a dit your wife. Que femme soit soumise. Because he knows she has authority. Parce que Dieu sait que la femme a l'autorité. And he knows that's also her weakness. Et Dieu sait que ça aussi c'est la faiblesse de la femme. That authority that God has given us. Cette autorité que Dieu nous a donnée. Can sometimes also be our weakness. Peut aussi devenir notre faiblesse. C'est pourquoi qu'il devait commander à la femme de se soumettre à son mari. Because God knows the authority that she has. Parce que Dieu reconnaît l'autorité qu'il a mis dans la femme. He has given her authority that il he says you will crush his head. Écrasera. Even though he's persecuting you. Même s'il te persécute. As long as you know that you have authority. Que tu sais que tu as l'autorité. Revelation 12 speaks about a woman that is carrying a baby. She's Apocalypse 12 parle de la femme qui est enceinte de bébé. In her weakest stage. Dans son état de faiblesse. Not fighting against the snake but a dragon. Non, elle ne se combat pas contre un serpent mais un dragon. A dragon is following her, is pursuing. Un dragon qui la poursuit. But she comes out more victorious. Mais elle sort de là. Because la victoire, of the authority. À cause de l'autorité qu'elle woman, you have authority. Femme, vous avez l'autorité. You have to know when and how to use it. Vous devez savoir quand l'utiliser. And you have to use it beginning in your own life. Vous devez commencer à l'utiliser against dans votre all the lies vie. Of the enemy contre that he throws at you. Dans de l'ennemi dans vos vies. Hallelujah. Amen. You need to know who you are. Vous devez reconnaître. You need vous to êtes. Know the authority that God has given. L'autorité que Dieu a mis en vous. And you have to take that authority. Et vous devez prendre cette and autorité. You have to mix it. Et vous devez le mélanger. And you have to use it. Vous devez l'utiliser. To influence your natural life. Votre and influence your natural life. The Bible says that I don't speak French, but this verse is only coming in French. First of all. The Bible says. La Bible dit. That the field is big. Que la moisson est grande. But the workers are few. Mais il y a peu d'ouvriers. The workers are few. Il y a peu d'ouvriers. And some of these workers is you. Et certains de ces ouvriers c'est vous. Some of these workers is you. Certains de ces ouvriers c'est vous. Some of these workers is you. Certains de ces ouvriers c'est vous. At the hospital, many people die in your arms. You are à l'hôpital, il y a plusieurs âmes, plusieurs personnes qui meurent entre vos mains et vous êtes une infirmière. But you always know this is my work. Et vous dites non, je peux rien faire, c'est mon travail. But now I'm at work. Je suis chrétienne, mais là je suis au travail. People are dying in your arms. Il y a des gens qui meurent entre vos mains. How did you influence them? Comment est-ce que vous les avez influencés? But instead of you influencing them, alors au lieu que vous les influencez, they influence you. Ils vous influencent. God is giving you souls before they go into eternity. Dieu vous donne des âmes avant d'entrer dans l'éternité entre vos mains. Que faites-vous avec cela? But you come there and like, oh, I'm a pastor. Vous venez à vous dire, oh, je suis qu'un pasteur à l'église. J'ai un pasteur à l'église. Oh, at church they don't recognize my gift. Oh, à l'église on ne reconnaît pas mes dons. But the Lord is saying, I'm giving you the work. Le Seigneur vous dit, je vous donne le travail. And you don't want to do it. Et vous ne le faites pas. You don't want to be recognized vous by me. Vous voulez pas être reconnu par moi. But you just want to be recognized by men. Être reconnu par les hommes. The harvest is plenty. That's right. That's right. But the workers are few.
La moisson est prête, mais il y a peu de foyers. Le travail n'est pas ici, sur la chair, mais le travail est dehors. Le travail est dehors. Comme la femme de Dieu. You come here to be influenced, to be impacted. Vous venez ici pour être équipé. And then in turn you have to go out and impact others. Et en retour, vous devez équiper les autres en dehors. That's the reason we do this. C'est pourquoi nous faisons ceci. That's the reason we have church. C'est pourquoi nous avons l'église. It's a school. C'est une école. You cannot go be going to university for 25 years and you never graduate and vous pouvez pas even aller à l'université. You say you graduate, you don't do anything with it. What is the point? Pendant 25 ans et vous ne graduez pas et même si vous finissez l'école, que faites-vous avec cela? God wants to use us. Dieu veut nous utiliser in many different ways. De plusieurs façons. What's wrong with this Leaven? What did you do? Did I wait too long to mix it? It takes time, but the package said 10 minutes now. Oh, the water was too cold. So when you look warm, he'll spew you out. You have to be hot or cold. Choose today which side you are on. In the church you are a Christian, but outside you are a pagan. People don't even know that you are a sin Christian. Hallelujah. One of your co-workers just got born again. Il y a un collègue qui est né de nouveau. He has been working with his co-worker for 10 years. Et ça fait longtemps que vous travaillez avec cette collègue. Or your friend at school. Ou votre ami à l'école. And they come to you. Et cet ami, cette personne vient vers vous. Do you know what happened to me? Est-ce que tu sais ce qui m'est arrivé? I had an amazing experience this week. J'ai une expérience très belle. I went someplace. Je suis partie quelque part. And it told me. Et m'ont dit. Something I always wanted to hear. Quelque chose que je voulais toujours entendre. You know, I didn't know. Je savais pas. I always heard the name Jesus. J'ai toujours entendu le nom Jésus. But now I really know. Mais maintenant je sais. J'ai donné ma vie à Jésus. I know we friends and we je sais que nous sommes amis et nous avons fait beaucoup de choses ensemble. But would you do this prayer with me? Mais est-ce que tu aimerais faire cette prière avec would moi? You accept Jesus Christ as your Savior? Voudrais-tu accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? And then you. Et ça c'est vous. Oh, praise the Lord! Hey, que le Seigneur soit loué! Hein? Are you born again too? Maintenant, tu es né de nouveau. I've always been a Christian. J'ai toujours été une chrétienne. Hein? All this time. Tout ce temps-là. What do you mean? You know what I'm talking about? Tu sais que ça veut dire que tu sais de quoi je parle. Oh yes, praise oui, the Lord. Oui, que le Seigneur soit loué, ça c'est vous. You should come to my church. Tu devrais venir à mon église. So you go to church. Alors tu vas à l'église. I never knew you went to church. Tu savais que tu partais à l'église. Now that she's born again, you want to bring her to church. Maintenant qu'elle est née de nouveau, vous voulez l'amener à l'église. You check your friends if they are born again to bring them to church. What is vous the purpose? Les amis. You are defeating the purpose. You are defeating the purpose. Vous êtes en train d'échouer le but. Your friend for years. Your votre friend ami, for pendant plusieurs années, even knew that you were ne saved. Savait même pas que vous étiez né de nouveau. Now that she's saved, maintenant qu'elle est she's de nouveau, to save you. Elle essaie de vous sauver. For her to find out that you have been saved all these maintenant qu'elle était découvre que ça fait 10 ans que vous êtes né de nouveau. The leaven and the flour. Le levain et la farine. The leaven needs to influence the farine. Le levain doit influencer la farine. But your flour has influenced your leaven so much that your heaven, the leaven has no power. Mais votre farine a tellement influencé votre levain que votre levain n'a pas de pouvoir. As a matter of fact, some of you now are trying. I think I know what happened. Some of you are trying to mix your leaven. Your leaven with your flour, but the problem is your water is too cold. Your water is lukewarm. It is lukewarm. It has no power. It has no impact. It has lost its power. Votre levain a perdu your testimony sa carries no power. Votre témoignage n'a aucune puissance. They see you do exactly the same things they do. Ils vous voient faire la même chose que. Not the good things, the bad ones. Pas les bonnes choses, mais les mauvaises. Je ne veux pas mentionner ces choses, mais vous connaissez. Et comment est-ce que vous voulez les influencer? Nous devons savoir ce que nous avons. Alléluia. Soyez chaud ou froid. My advice for those who have their businesses. Mon conseil pour ceux qui ont leur entreprise. Let God use your business. Que le Seigneur utilise vos entreprises. For the glory of his name. Pour la gloire de son nom. When people enter your store. Quand les gens entrent dans vos magasins. When they enter, they come to whatever it is that you do. Peu importe ce que vous faites, quand les gens viennent, qu'ils puissent voir qu'il y a une différence. You don't hang up the phone like that.
Vous ne raccrochez pas le téléphone sur vous. Votre service à la clientèle doit être différent. That they are used to a certain way. Qu'ils sont habitués à une façon. But when they come to you, d'une certaine manière, mais quand ils viennent vers they toi, may testify que ils peuvent témoigner that there's something different. Qu'il y a quelque chose de différent en vous. I remember when we just came to Canada. Je me souviens quand on est arrivé au Canada. I was looking for a place where I could go and do my hair. Je cherchais un endroit où aller faire mes cheveux. And then we were walking by some night. On marchait mon mari et moi. It was really look really nice and beautiful. Et j'avais vu cet endroit qui était vraiment beau, présentable. I decided to go in. Alors j'ai décidé d'y entrer. In, I heard the gospel music in the background. Et quand j'entrais, j'ai entendu des chansons gospel chrétiennes. So, yes. Alors je me suis dit ok, je vais aller voir. Hamilton. Et c'était à Hamilton. So I was looking around. Alors je regardais autour. And the lady was in the back. Et la femme était derrière. But she had also like you know hair pieces and all that. Elle avait aussi des cheveux. So I was looking. Alors je regardais. I was already excited. I'm like okay, I'm gonna meet a Christian. J'étais déjà très contente parce que je m'étais dit je vais rencontrer des chrétiennes et tout et tout. From the back. Déjà derrière. She was looking and then she's like, are you gonna buy or no? Elle m'a dit ah, est-ce que tu vas acheter ou pas? J'étais comme. Excuse me. Je m'excuse, mais. Are you gonna buy? Est-ce que tu vas acheter? From far. De loin, hein, je vous en prie. I was like, oh, no, never mind. J'ai dit non, ça va. And I tell you. Et de ce jour-là, je ne suis jamais retourné dans ce magasin-là. I lived in Hamilton for 10 years. J'ai vécu à Hamilton pendant 10 ans. Je n'étais pas retourné là. Mais il y avait des chansons chrétiennes religieuses. So probably present something that you are not. Ne représentez quelque chose que vous êtes pas. Some of you are really nice to your pastor. Certains d'entre vous êtes très gentils avec vos pasteurs. Rude to everybody else. Mais avec toutes les personnes, the vous êtes tellement vous parlez aux gens. At your workplace. Vous n'avez pas d'hospitalité. You scare people. Vous faites peur so aux gens. They find out that you are a Christian. Alors le jour qu'ils découvrent they que vous êtes chrétien, that is Christianity. Alors ils se disent si ça c'est la chrétienté. We have to represent. Nous devons représenter. We have to represent. Nous devons représenter. Amen. Let us mix. Mais faisons le mélange. But don't let the one influence the other. Mais ne laissez pas que l'un influence l'autre. Don't let the flour influence the ne laissez pas que la pâte influence le levain. But let your heaven influence your flour. Mais laisse que le ciel influence votre pâte. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.